Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents pour suivre ce webinaire en notre compagnie. Nous sommes ensemble pendant une bonne heure pour évoquer en profondeur des sujets de qualité de vie au travail qui nous semblent cruciaux. Comme vous le savez, AD Conseil participe actuellement à la semaine de la QVT 2021 que nous consacrons à la dignité au travail. Dans ce cadre, nous avons donc décidé de prendre position sur quatre thématiques en particulier que nous allons aborder tout au long de ce webinaire. Donc l'intégrité individuelle et le sens du travail, la précarité et l'hyperflexibilité au travail, l'apicratie et la ludification du travail, et enfin ce qu'on a appelé la bullshit QVT, donc toutes ces pratiques qui décrédibilisent l'action en faveur de la QVT. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux membres d'AD Conseil, donc Joseph Layani, qui est psychologue du travail et des organisations et président fondateur du cabinet AD Conseil, Nicolas Beltou, qui est docteur en psychologie du travail et des organisations et consultant pour AD Conseil, et notre invité de marque, Thibaut Brière, philosophe du travail, qui nous fait l'amitié de se joindre à nous pour apporter son regard sur toutes ces questions. Donc déjà, bonjour messieurs et merci à tous les trois d'être présents. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez réagir à ce webinaire via le chat ou alors vous pouvez poser directement vos questions dans la section questions-réponses et nous prendrons un temps à la fin pour répondre à quelques-unes d'entre elles. Eh bien, messieurs, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec notre première thématique, l'intégrité et le sens du travail. Pour cette première thématique, honneur à notre invité, Thibaut Brière. Puisque la question du sens du travail, c'est presque une question philosophique finalement. Oui, effectivement, c'est une question philosophique et ça tombe assez bien que votre sujet arrive aujourd'hui, puisque pas plus tard que ce matin, il y avait plusieurs sujets proposés aux étudiants. Et parmi ceux-ci, il y en avait un notamment qui peut retenir notre attention et qui était celui donc proposé aux étudiants en philosophie, qui était donc discuter, est-ce renoncer à la violence? C'était l'un des sujets du bac philo ce matin, discuter est-ce renoncer à la violence? Et il se trouve qu'effectivement, dans ce que l'on appelle aujourd'hui les nouveaux modes de management, on s'efforce de substituer à la violence, à la violence de rapport coercitif, de rapport hiérarchique marqué par l'arbitraire du chef. On s'efforce de substituer justement des rapports davantage horizontaux, notamment marqués par la discussion. Alors, on pourrait y revenir. Je l'aborde pas tout de suite de front, puisque nous sommes actuellement donc dans le premier intitulé de ce webinaire qui est Intégrité et sens du travail. Mais précisément, le sens du travail dans les nouveaux modes de management va davantage passer par des discussions. Par des discussions. On va demander aux managers, notamment, de savoir donner du sens. Et indépendamment de ce qu'il peut y avoir naturellement de très bon dans le fait de donner du sens, cela doit tout de même un petit peu nous alerter. Car finalement, on ne demande de donner du sens que parce que l'on choisit de renoncer à exercer une autorité hiérarchique. Et c'est précisément ce qui vient définir les nouveaux modes de management par rapport, qui prétendent en tout cas se distinguer d'anciens modes de management tissés par eux, des rapports davantage hiérarchiques au command and control, au bâton et à la carotte. Et donc, ces nouveaux modes que l'on parle, de nouveaux modes de management, hein, que l'on parle d'entreprises libérées, d'entreprises horizontales, holacratiques ou même symbiotiques, elles récusent toutes, ces nouveaux modes de management, récusent tous officiellement le recours, donc, je le disais, à la contrainte. On serait enfin sorti d'un Moyen-Âge managérial un peu frustre, et maintenant, nous serions dans des environnements davantage éclairés, tissés par des relations amicales entre des pairs qui se respectent, etc., etc. Le problème est seulement que quand on renonce à la contrainte hiérarchique, justement, pour guider une équipe, eh bien, on se condamne à orienter différemment les comportements. Il y a deux manières d'orienter les comportements individuels dans une entreprise et donc dans une équipe sans recourir à la contrainte hiérarchique. Et du coup, ça va donner lieu à un certain nombre de dérives et à un certain nombre, du coup, de souffrances psychiques pour les salariés. Lorsqu'on s'interdit de recourir à l'autorité hiérarchique, d'abord,
on se contraint pour une part à faire une acculturation profonde des salariés, c'est-à-dire à faire en sorte de les idéologiser pour une certaine part, de sorte qu'on se retrouve face à des situations de plus en plus d'emprise au travail. C'est-à-dire on essaye de substituer à la contrainte externe qu'exerçait le manager et qu'exerçait l'organisation une sorte d'obligation interne et faire en sorte que les gens adhèrent à l'entreprise parce qu'ils y croient. D'où effectivement donc l'émergence d'emprise. On veut de plus en plus avoir des croyants. La motivation ne suffit plus, c'est l'engagement que l'on veut. On veut des personnes dans l'entreprise de plus en plus qui soient alignées, dont les valeurs personnelles, dont les croyances personnelles soient alignées avec celles de l'organisation. Et donc, pour initier ce processus d'acculturation profonde, différentes manières de faire sont à l'œuvre. Naturellement, ça va passer par des formations comportementales, des formations au savoir-être, comme on dit aujourd'hui. Également par des programmes de développement du leadership, par du storytelling, mais également par un management par les valeurs, la raison d'être, la mission. Tout ça, les valeurs, la raison d'être, la mission, le but, c'est de faire en sorte de donner du sens aux salariés pour que les salariés adhèrent spontanément au sens que délivre l'entreprise, pour que les salariés spontanément adhèrent à la vision portée par l'organisation. On veut avoir des adhérents, des croyants. Donc ça, c'est le premier aspect, la première dérive, si l'on veut, dans ces nouveaux modes de management, c'est qu'on cherche tellement à avoir des personnes qui y croient que ça peut donner lieu à des phénomènes d'emprise. Et de fait, la notion même d'emprise a été thématisée seulement récemment. Récemment, pas plus tard que l'année dernière, il y a eu un livre de Wadi Chouéri qui est paru, qui s'intitule « L'emprise au travail, la comprendre, s'en libérer » aux éditions ESF. Donc ça, c'était en 2020. Et c'est également en 2020 que la notion d'emprise a fait son entrée dans le code civil et dans le code pénal. Et il faut simplement souligner à cet égard que l'emprise a étymologiquement partie liée avec l'entreprise. C'est la même origine étymologique, emprise, entreprise. Et d'ailleurs, en italien, comme en espagnol, d'ailleurs en espagnol, empresa, et puis en italien, impresa, impresa, bah, ça dit à la fois l'entreprise et l'emprise. Le mot entreprise vient du vieux français emprise. Et donc, c'est un phénomène qui a tendance à se multiplier, qui n'est pas nouveau pour autant dans les organisations. Vous voyez, déjà, à la fin des années 70, Vincent de Goléjac et Max Pagès, avec Michel Bonetti et Daniel Descendre, avaient publié « L'emprise de l'organisation ». Et cet ouvrage, « L'emprise de l'organisation », est un ouvrage fondateur. Il y a eu pas mal de colloques l'année dernière pour marquer les 20 ans de parution, même 30 ans peut-être, 40 ans, de parution de cet ouvrage. Il y a eu, et donc c'est quelque chose qui prend ses racines loin. Il y a une montée en puissance de ces phénomènes d'emprise dans ces dernières années et qui se trouve être justement corrélée avec la montée en puissance de ce qu'on appelle les nouveaux modes d'organisation. Donc, j'en ai bientôt fini de mon intervention sur ce sujet. Lorsque les managers renoncent à exercer la contrainte hiérarchique, ça va donner lieu, donc, je le disais, à une acculturation profonde pouvant elle-même donner lieu à des phénomènes d'emprise, mais également, on se trouve face à des phénomènes également de manipulation. C'est-à-dire que le manager, on lui dit « maintenant, tu ne dois plus contraindre, tu ne dois plus faire preuve de coercition, de management au bâton et à la carotte, mais tu dois embarquer les membres de ton équipe. » Mais du coup, il se trouve, et néanmoins, on ne cesse pas de lui demander d'orienter son équipe, de l'amener dans telle ou telle direction. Donc, comment faire ? Eh bien, il est contraint, dans une certaine mesure, de devoir pratiquer des coulisses pour susciter des dynamiques collectives apparemment spontanées. L'entreprise va essayer, lui, il va essayer de faire discuter les membres de son équipe, mais tout en ayant une idée du sens dans lequel il va souhaiter en... De même, de la part des managers ou des dirigeants, on va davantage du coup s'efforcer de trouver des ambassadeurs allant dans la bonne direction, permettant, on va essayer de valoriser ceux qui vont dans la bonne direction,
de valoriser, par exemple, dans le forum, de mettre dans des forums de discussion interne de l'entreprise, de susciter des messages spontanés, enfin prétendument spontanés de la part de salariés, permettant ensuite d'initier des mouvements de salariés disant « Ah bah oui, tu as raison, tiens, c'est effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de mes pairs qui va dans ce sens et donc je vais me rallier à ce mouvement. » C'est également la mode des nudges aujourd'hui. C'est-à-dire que l'entreprise va s'efforcer non plus d'agir, je le disais, donc par la contrainte hiérarchique, mais en modifiant ce qu'on appelle l'architecture des choix. C'est-à-dire en rendant certains choix de salariés plus coûteux. C'est-à-dire qu'officiellement, vous êtes libre, vous les salariés, de choisir ce que vous voulez. Simplement, il se trouve que si vous faites certains choix, eh bien, certes, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Donc, officiellement, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, c'est ce que l'on voit notamment dans les entreprises dites libérées, mais simplement, les choix de ceux qui vont dans la vision, qui vont dans le sens de la vision soutenue par le leader dans l'entreprise, vont s'en trouver facilités. Voilà, chers amis, j'en ai fini par mon... Merci. Merci beaucoup, Thibaut Brière. Alors, cette question du sens du travail, elle a également été largement remise sur la table depuis plus d'un an avec cette crise sanitaire. Dans quelle mesure, justement, Nicolas, ce contexte a-t-il questionné le sens du travail ? Alors, Daniel, oui, cette question-là, je la trouve très intéressante. En fait, la question du sens au travail, elle est riche parce qu'elle apporte un certain nombre de réflexions et sur les caractéristiques qui sont sous-jacentes à ce sujet-là. Donc, à partir des travaux de Estelle Morin, qui est donc professeure à HEC Montréal, excusez-moi, cette chercheure distingue six caractéristiques dans la question du sens. Le premier, c'est le sentiment d'utilité que procure le travail. Le deuxième, c'est l'intérêt pour les activités qui vont être réalisées. Le troisième, c'est le respect des règles morales et de déontologie. Le quatrième, c'est le fait que les relations humaines soient satisfaisantes. Et le cinquième, c'est justement le fait d'avoir une autonomie financière associée à son travail. Et enfin, le sixième, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, en fait, ce que nous dit cette personne, donc Estelle Morin, c'est que lorsqu'il y a un équilibre entre ces six caractéristiques, cela va générer du sens pour l'individu. Ce qui s'est passé au cours de l'année dernière et jusqu'à maintenant avec la crise sanitaire, ça a créé justement du déséquilibre sur ces six caractéristiques-là. Et il y a une étude intéressante qui a été réalisée en 2020. Celle-ci fait apparaître que la crise sanitaire et notamment le confinement, je dirais même les confinements, ont eu pour effet une augmentation du sentiment d'inutilité au travail et voire même ça pouvait aller jusqu'au sentiment de participer à la prochaine crise qui pourrait arriver. Donc, cette question du sens, vraiment, à nouveau, elle est intéressante. Il y a certains chercheurs qui vont associer la perte de sens avec le fait qu'il y ait une augmentation des reconversions volontaires dans un second temps. Il y a même une étude aussi de l'ENS qui, elle, parle de choc de carrière lorsqu'il y a des conflits à ce niveau-là. Et cette étude, elle aussi, fait apparaître que, notamment la génération X, celle-ci, suite à la crise sanitaire, serait davantage en recherche d'une quête de changement et celle-ci à court terme. Donc ça, c'est un peu un certain nombre d'éléments qui partent sur cette question-là. Mais si on se penche sur les raisons réelles du déséquilibre, c'est intéressant de voir qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est que les confinements, à nouveau, sont venus questionner le sentiment d'utilité de notre métier, du propre métier que l'on fait pour la société. On a vu apparaître aussi à ce moment-là, en tout cas réapparaître, un intérêt pour certains métiers qui pouvaient être oubliés par le passé, donc par exemple les éboueurs ou encore les caissières qui sont revenus un peu au devant de la scène. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'il y a le fait de travailler
sur un écran, par exemple, de travailler des chiffres sur un écran, va venir en conflit, en opposition avec d'autres activités comme celle d'apporter des soins, qui là aussi a été mis grandement en avant, avec aussi les limites que ça importe, parce qu'il y a des problématiques de burn-out aussi pour les soignants notamment. Mais il y a aussi l'aspect de venir travailler la terre avec l'idée que le fait d'être dans la relation aux autres ou d'être dans une activité sur laquelle on va pouvoir voir le travail fini que l'on est en train d'accomplir, cela va apporter également un peu plus de sens. À cela, plus globalement, s'ajoute une prise de conscience écologique. Là-dessus, c'est partagé par un certain nombre de personnes sur le fait que la situation actuelle, il y a une réflexion sur comment on arrivait à cette situation-là et dans quelle mesure l'activité humaine, plus globalement, a participé à cette situation. Donc, ces éléments-là aussi participent à cette remise en cause du sens. Et au-delà encore de deux autres petits aspects qui sont celui des relations humaines qui ne sont moins satisfaisantes, et notamment via le fait que depuis le début de la crise sanitaire, on travaille notamment via des écrans interposés et que la dimension de soutien social qui est si importante à la vie professionnelle notamment, a été mis un peu en retrait ou en tout cas a créé un rapport nouveau qui s'est créé. Cela aussi évoque une sorte, participe à ce déséquilibre et l'autonomie financière que évoquait aussi Estelle Morin sur le fait que justement le fait que le travail assure une autonomie financière, ça va contribuer à du sens. Là aujourd'hui, on est plutôt dans l'inverse avec notamment les indépendants qui ont une autonomie financière qui a été notamment très impacté par cette situation. Enfin, donc, tous ces éléments-là participent à une remise en cause de l'alignement entre les valeurs personnelles, celles de l'individu, et celles du professionnel. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir que cette crise sanitaire va venir poser, remettre cette dimension-là en question et que ça va ouvrir aussi de nouvelles voies. Donc voilà un peu, pour répondre à ta question, Daniel, un certain nombre d'éléments pour répondre. Merci Nicolas. Donc on a parlé du sens du travail, on a également l'intégrité donc, des individus qui est largement atteinte, et cela, Joseph, souvent à cause d'environnements de travail qui sont par nature défavorables. Oui, alors, par nature défavorable, c'est quelque chose qui est très variable hein, d'un métier à l'autre. Il ne faut pas partir du principe que le travail est pathogène. Néanmoins, si on part de fait, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les données de santé au travail ne sont pas bonnes, notamment les données de santé mentale, et la crise sanitaire vient renforcer cette tendance. Et on assiste aussi à de plus en plus de secteurs d'activité qui sont en décrochage sur le plan des statistiques de santé au travail. Je prends un exemple, deux métiers d'ailleurs qualifiés d'essentiels lors du premier confinement, les professionnels du secteur médico-social, je pense notamment aux professionnels de LES majoritairement en EHPAD. Il y a un chiffre qui est très parlant, il n'y a pas une aide-soignante ou un aide-soignant en EHPAD qui termine sa carrière sans un problème de santé chronique. Cette année, le Défenseur des droits vient de publier un rapport qui explique que le modèle économique des EHPAD est structurellement attentatoire à la dignité humaine des usagers et des professionnels par nature dans une majorité d'établissements. Dans ce type d'environnement de travail, où la notion d'intégrité physique, mentale, dignité humaine est remise en question, c'est vrai que c'est difficile de parler de qualité de vie au travail. Moi, j'ai le souvenir de démarches qui étaient perçues négativement parce que justement, cette notion devenait absurde. Ça, c'est un premier volet de l'intégrité, le fait d'être dans un environnement finalement qui n'est pas protecteur de la santé, de la sécurité physique, mentale, sociale, des travailleurs ou des usagers qu'il est censé servir. Après, on peut aussi questionner la dimension morale. On a beaucoup de personnes, en tout cas moi j'en rencontre beaucoup dans le cadre de mon travail, qui expliquent être dans des situations de conflit de valeurs, qui expliquent être dans des situations de qualité empêchée, de ne pas pouvoir faire leur travail comme elles le souhaitent, aussi bien qu'elles le souhaiteraient,
qui explique être dans des registres émotionnellement forcés, avec un hyperpositivisme sur lequel on reviendra par la suite. Toutes ces petites situations font pas forcément du mal à la santé, en tout cas à court terme, mais sont aussi attentatoires à la dignité, à l'intégrité. Et on a finalement pas mal d'environnements de travail où on se rend compte que la finalité première qui devrait être celle du travail, en tout cas selon moi, hein, quelque chose qui libère, qui émancipe, qui permet d'être libre de ses choix, est mise à mal sous différentes formes. Ça, c'est intéressant de le questionner dans la mesure où quand on intervient en tant que praticien de la qualité de vie au travail dans ces environnements, on n'a pas de marge de manœuvre sur ces choix économiques, sur ces choix managériaux, et pour autant, ils sont cruciaux pour améliorer la qualité de vie au travail. Alors, je ne dis pas qu'il faille juger, on est sur des états de fait qui impliquent de très nombreux acteurs. Cela dit, c'est intéressant de s'autoriser à en parler. Il y a une constante dans notre métier depuis quelques années, c'est de se dire, par exemple, on intervient dans des environnements durs pour améliorer la QVT, la question des salaires est taboue, la question de l'organisation du travail est taboue, la notion de la structure du pouvoir est taboue, la notion de la répartition des effectifs et des richesses est taboue, mais à part ça, trouver des leviers d'amélioration de la QVT. Bon. On n'a peut-être pas le droit de toucher à ces leviers, mais on a au moins le droit de les questionner. Et c'est intéressant de s'autoriser à nouveau de le faire, dans la mesure où, sans cela, même nos propres interventions pourraient perdre leur sens. Alors, à propos d'intégrité et d'environnement de travail défavorable, on va maintenant aborder notre deuxième thématique, la précarité et l'hyperflexibilité au travail. Donc, on va essayer, messieurs, de rester sur 15 minutes pour cette thématique. On a un petit peu débordé sur la première. Thibaut Brière, en quoi est-ce que l'hyperflexibilité au travail dégrade la qualité de vie au travail des salariés? L'hyperflexibilité au travail, le fait qu'elle dégrade la qualité de vie au travail, évidemment, c'est pas induit, c'est une mauvaise appréhension de cette hyperflexibilité qui conduit sans doute. Alors moi, écoutez, moi je m'exprime ici en tant que modeste analyste extérieur. Mon métier consiste à faire de la philosophie. Ce que j'ai pu observer, moi, pour ma part, c'est à la faveur effectivement des derniers confinements par définition, le travail à distance induit en tout cas davantage de management par la confiance. Et donc, on va demander peut-être davantage de flexibilité aux salariés, flexibilité horaire, davantage de flexibilité aussi quant aux tâches qu'on va lui donner. Il doit être davantage capable de faire davantage de choses. Et donc, le management par la confiance, naturellement, c'est très sain, c'est très bon. Il est bon que les salariés aient davantage d'autonomie, de responsabilisation. Et d'ailleurs, on peut regretter qu'il faille attendre de passer en travail à distance, en télétravail partiel ou total, pour que les salariés se trouvent normalement davantage autonomisés. L'inconvénient généralement que j'y vois, c'est que du coup, il n'y a plus de fiches de poste claires et moins d'objectifs clairs. C'est-à-dire qu'on va dire dans le management à la confiance aux salariés, écoute, je te fais confiance pour te débrouiller, pour parvenir davantage à tel objectif. Donc l'objectif, lui, il demeure clair, mais tu es davantage maître des moyens d'y parvenir. Et donc ce défaut de clarté dans l'organisation, de clarté dans ce qui est attendu des uns et des autres, conduit chacun finalement à devoir intérioriser les normes sociales de l'organisation, à devoir intérioriser la vision. Et finalement, donc ça se rattache à notre thématique précédente qui était le management par le sens, au fait de donner du sens. On va demander davantage dans le cadre d'un management à la confiance aux salariés d'intérioriser le sens officiel de l'organisation, d'intérioriser la vision de l'entreprise. Et à partir du moment où ils ont compris la vision de l'organisation, ils peuvent être autonomes, ils peuvent être laissés libres, on peut leur faire confiance à partir de ce moment-là, de sorte que, je le disais, les périmètres de responsabilité sont davantage flous, les fiches de poste moins claires, les objectifs moins clairs, etc., etc. Et c'est en tout cas l'un des travers que je vois possible, en tout cas, à la généralisation d'un management à la confiance censé entraîner une plus grande flexibilité dans le travail.
Merci. Alors, Nicolas, toi, tu voulais plus insister sur l'ubérisation du travail qui constitue, selon toi, un facteur de précarité important. Oui, en effet, en fait, on entend parler de plus en plus de ubérisation. Et donc, dans un premier temps, je pense que c'est important de le définir pour avoir un vocable commun. Donc, lorsque l'on parle d'ubérisation, on parle de quoi? On parle de la mise en contact directe entre un service immédiat, un prestataire, et un client via une plateforme numérique qui va recevoir le paiement, la commission, mais également payer le prestataire selon l'évaluation que l'on fait du service qui a été rendu. Donc, il y a un certain nombre de chercheurs hein, qui ont émis l'idée que ubérisation égale précarité. Et pourquoi? Si on va en profondeur pour essayer de comprendre les raisons qui y sont associées, c'est que les nouveaux modes d'organisation qui sont mis en place par ces nouveaux acteurs hein, sur le monde du travail, ils échappent largement au cadre de régulation qui sont en vigueur. Par exemple, si on prend le régime de responsabilité, donc la responsabilité que peut avoir le dirigeant d'une entreprise, le chef d'entreprise, par rapport à la santé et par rapport à la prévention de la santé et les risques associés à ses salariés. Lorsque le chef d'entreprise, on a affaire, plutôt, lorsque l'on a affaire à des indépendants qui sont prestataires, cette question-là n'a plus lieu d'être. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que parmi les créateurs de ces nouvelles activités et les managers aussi qui y sont associés, il y a une absence de culture de la prévention au sein de ces structures-là. Par exemple, il y a, par exemple, si on prend l'exemple de Deliveroo, il existe une prime lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Donc là, il y a un conflit entre l'incitation financière qui est proposée aux travailleurs, qu'ils soient indépendants, et le risque que lui va pouvoir prendre pour pouvoir répondre à cette demande-là. Donc il y a une étude aussi qui a été menée, c'est en 2019, notamment sur la précarité, mais sur les livreurs chez Deliveroo. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre d'une part qu'il y a des paradoxes entre le statut d'indépendant qui est prescrit, entre guillemets, et la subordination qui, elle, est plutôt réelle. Donc, si on reformule, c'est dire que, il y a un paradoxe entre le fait que le salarié, que le travailleur plutôt, ait un statut d'indépendant, donc sur lequel il n'y aurait aucun lien avec la structure, mais que par ailleurs, il est dans une subordination vis-à-vis de la maison mère, Deliveroo, parce que souvent, il y a une relation à sens unique dans cette relation-là. Le deuxième élément sur lequel il y a un facteur de précarité, c'est le fait qu'il y a une augmentation de l'insatisfaction au travail et une instabilité de l'emploi pour les personnes qui exercent ce métier-là. Donc, si on parle de précarité, on pourrait même aller plus loin en disant que cette ubérisation comporte des risques psychosociaux pour les travailleurs qui y travaillent justement. Donc, les indépendants qui travaillent sur ces plateformes sont particulièrement exposés à certains facteurs psychosociaux. Si on les nomme, c'est l'intensification du travail. Donc, il y a une concurrence accrue entre les travailleurs. Il y a aussi une rémunération à la tâche qui va entraîner aussi parfois un certain nombre de prises de risques. Il y avait un article très intéressant sur France Info qui montrait deux choses. La première, c'est que les GPS, dans cette logique de gain de temps, pouvaient parfois proposer aux livreurs à vélo de prendre des voies rapides pour essayer de gagner du temps sur la livraison. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est aussi, et c'est traduit par ce système-là de la rémunération à la tâche, c'est que petit à petit, les scooters sont en train de remplacer les vélos parce que ben, il y a une logique de chiffres. Et donc, plus on fait de livraison, plus on gagnera, plus on aura une rémunération qui sera élevée. Donc ça, c'est un premier élément. Les autres éléments, c'est une faible autonomie, faible marge de manœuvre, un appauvrissement des relations sociales. Il y a peu de liens sociaux
entre les livreurs, même s'il se fait de manière informelle, parce qu'il y a des groupes entre les livreurs, mais ce n'est pas la structure qui crée ce lien social, une absence de soutien hiérarchique, s'il y a un problème avec le client, ce n'est pas le manager qui va pouvoir résoudre cette situation, mais le salarié qui, enfin le salarié justement indépendant qui va pouvoir résoudre cette situation de lui-même, et enfin une insécurité des situations de travail avec le fait que la collaboration avec Deliveroo peut être arrêtée d'elle-même par Deliveroo. Donc, pour résumer, il y a dans cette situation de précarité des conséquences de stress et de mal-être. Et pour reprendre les mots de l'INRS, il est important de changer de logique, de passer d'une expérience client vers une expérience travailleur. Autrement dit, le fait d'intégrer dans l'ADN de l'organisation, même dans l'algorithme des organisations, une prévention, une intégration de la santé au travail. Donc voilà, j'en termine là-dessus. Alors, pour toi, Joseph, certains environnements de travail sont par nature précaires et font donc naître un sentiment d'absurdité, notamment lors d'une intervention QVT. Et tu prends l'exemple du milieu médico-social. Oui, on a parlé du médico-social, mais ce raisonnement, il pourrait s'appliquer à pas mal d'autres secteurs. Juste pour abonder dans le sens de Nicolas et Thibault, pour revenir sur cette notion de flexibilité, ça vaut le coup simplement de questionner le mot déjà. Qu'est-ce qui est flexible et au profit de qui et au détriment de qui? C'est intéressant de rappeler que ce qui fait la bonne santé, au sens de l'OMS, hein, physique, psychologique, sociale et comportementale, c'est avant tout un bon équilibre des sphères de vie, en tout cas en grande partie. Une flexibilité qui serait pensée de cette façon, avec on va dire, des marges de manœuvre gagnées par l'employeur et certaines gagnées par le travailleur, c'est quelque chose qui se défend. Or, force est de constater que dans certaines situations, cette flexibilité elle est à sens unique, c'est-à-dire que les marges de manœuvre sont gagnées par l'employeur au détriment des autres sphères de vie. Nicolas, il décrivait justement la situation des travailleurs ubérisés qui finalement ont très peu de degrés de liberté malgré un statut d'indépendant. Moi, j'ai un autre souvenir, tiens, dans l'industrie, il y a quelques années, j'étais intervenu dans une entreprise de la métallurgie. On avait expliqué aux ouvriers dans le cadre d'une transformation que les lignes de production, donc les machines sur lesquelles ils travaillaient, allaient devenir des business units, donc des centres de profit, des micro-entreprises à part entière. Donc, qu'ils allaient être responsables des coûts, des pertes, et qu'ils allaient se vendre de la marchandise les uns aux autres pour qu'on puisse calculer au plus juste les coûts. Et justement, dans la présentation du manager qui mettait en œuvre cette réforme, lui mettait en avant le fait que ça allait générer plus d'intérêt, plus d'autonomie, que ça allait valoriser le travail et que finalement, ça allait donner aussi plus de marge de manœuvre aux ouvriers pour qu'ils explorent des façons de gagner de l'argent. Sauf qu'on faisait appel à nous parce qu'il y avait de grosses tensions interindividuelles qui étaient en partie liées à ce choix managérial. Quand on questionne les ouvriers, justement, on se rend compte qu'au contraire, ils ont perdu les marges de manœuvre. Leur discours, c'est de dire, ben, déjà, on n'a pas signé pour ça. Moi, je suis ouvrier. Mon aspiration dans la vie, c'est de faire autre chose que mon travail. Mon travail n'est pas au centre. Et justement, ce mode de fonctionnement, ben, déjà, il me coûte mentalement. Il me met en concurrence, en tout cas indirecte, avec mes collègues. Et en plus, il me coûte une énergie et un investissement très supérieurs à ce que j'ai consenti au départ, sans être payé plus. Donc finalement, c'est une perte de marge de manœuvre. Cette flexibilité, finalement, elle a deux sens que si elle est profitable à l'ensemble des parties, et malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. Et c'est ce qui conduit, en parlait Nicolas, à ce cynisme chez les jeunes générations qui voient bien que derrière certains mots qu'on présente de façon positive, ça se cache une réalité qui est relativement différente et qui n'est pas compliquée à comprendre. Donc là-dessus, c'est intéressant de prendre le temps de questionner ces mots comme la flexibilité, l'agilité. Je voyais une question aussi relative au télétravail, est-ce que c'est un facteur de flexibilité? Mais là aussi, hein, tout est à remettre en question en fonction des équilibres de sphère de vie. On a vu justement des organisations qui, par corollaire de la crise sanitaire, trouvaient plus de marge de manœuvre pour leurs employés, pour avoir un équilibre des sphères de vie qui était beaucoup plus intéressant et qui en tire quelque chose de très positif.
On en voit aussi qui ont fait, avec certains outils comme la messagerie d'entreprise, la visio, du télétravail, un outil d'hyper-disponibilité et d'hyper-sollicitation. Et là, pour le coup, la flexibilité, elle n'est pas forcément profitable aux travailleurs. Alors, en plus de ces politiques d'hyper-flexibilité, de nombreuses entreprises mettent également en place des politiques basées sur la recherche du bonheur ou la ludification du travail, avec un résultat pas toujours positif pour la QVT. Cela nous amène à notre troisième thématique, l'apicratie et la ludification. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur l'onglet questions-réponses. Et messieurs, si vous voyez une question qui vous paraît pertinente pendant votre exposé, vous pouvez y répondre. Joseph, d'où vient ce courant qu'on appelle apicratie et qui, dans de nombreux cas, est présenté comme un moyen d'améliorer la QVT? Oui, mais l'histoire est bien tracée. Hein. C'est au début des années 2000 qu'a été créé, initialement sous forme de boutade, et ensuite le poste a été institutionnalisé, la fonction de Chief Happiness Officer, la personne dont la mission est de donner du bonheur aux collègues. Ce paradigme, il s'est développé dans la Silicon Valley, dans d'autres entreprises ensuite, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. On a des Chief Happiness Officer aujourd'hui dans pas mal d'entreprises françaises ou mutualisées entre plusieurs entreprises. Et cette fonction, elle vise à faire du travail un environnement ludique, c'est-à-dire qu'on va proposer aux collègues, aux salariés, des activités extra-professionnels, justement, qui ont vocation à souder le groupe, à apporter du bonheur, à apporter de la joie. Donc, ce sont des activités de team building, des activités de confort, des jeux d'entreprise, des challenges. Il y a deux constantes qui caractérisent cette approche. La première, c'est qu'on est systématiquement sur des mesures en périphérie du travail. À aucun moment, on touche aux conditions de travail, à l'organisation du travail, à la structure du pouvoir. Et on est toujours sur un registre émotionnel positif, hyper forcé. On le voit d'ailleurs dans les communications d'entreprise, on est beaucoup plus détendu, on utilise beaucoup plus de smiley, on est sur des registres beaucoup plus informels, mais cela dit, qui sont parfois surfaits et qui cassent parfois certaines barrières qui permettaient aussi de garder une distance parfois protectrice pour les individus. On a finalement mis un pied dans le registre de l'émotion prescrite au travail plutôt que de l'émotion induite. Finalement, si on y réfléchit, la fonction du travail n'est pas de rendre les gens heureux. J'ai un contrat de travail, il me permet de subvenir à mes besoins dignement si je suis dans un état de droit qui garantit justement ces besoins fondamentaux. Et de ce revenu, je fais mes choix en conscience pour vaquer à ma quête du bonheur en tant qu'individu libre, émancipé. Là, on est dans un paradigme où, au contraire, ce qui doit rendre heureux est codifié et mon entreprise s'autorise à mettre le pied dans ce registre émotionnel qui relève de l'intime. Je vois sur le chat une question, par exemple, dans un entretien annuel d'évaluation, est-il normal de recevoir une observation sur sa flexibilité relationnelle ? Je répondrai bien par une question. Est-ce qu'il est normal qu'un manager questionne la sphère émotionnelle des salariés? Est-ce que le travail a à rentrer dans ce qu'on ressent? Contrat de travail, si on revient à son essence, c'est l'exécution d'une tâche, l'atteinte de certains objectifs contre une rémunération. Et c'est en ça que ce paradigme est relativement dangereux. Il y a des recherches d'ailleurs qui démontrent que ces activités prescrites n'ont pas de bienfaits sur la santé psychologique et la qualité de vie au travail, et que c'est simplement l'activité spontanée qui va avoir justement un effet bénéfique et qui en plus pose une vraie question d'éthique par rapport à ce que peut s'autoriser un employeur ou son représentant par rapport à notre intimité, à notre intégrité. Alors, pour vous, Thibaut Brière, cette injonction à être toujours positif peut finir par devenir toxique? En effet, Daniel, en effet, mais je voudrais simplement revenir là sur un point que vient de développer Joseph et qui me paraît extrêmement, extrêmement intéressant et qui fait à nouveau un lien, qui établit un lien avec notre première séquence sur la question du sens au travail
Effectivement, moi, ce que je vois très fort arriver dans les organisations comme dérive managériale, c'est le fait que les managers de plus en plus se croient autorisés, voire même se croient incités, et le sont parfois par leur direction, à rentrer dans le domaine de l'intime des personnes. Ça passe à la fois par le fait de donner du sens, c'est-à-dire par le fait de modifier à terme les croyances personnelles des salariés de manière à les aligner sur les croyances organisationnelles, à les aligner sur les croyances fondatrices de la vision corporate. Et puis, ça passe effectivement par un certain nombre d'attitudes qui leur sont demandées. Doit nous alerter le fait qu'aujourd'hui, on ne parle de moins en moins de savoir-faire comportementaux, mais on parle bien de savoir-être. C'est l'être même qui est aujourd'hui visé, et ça se traduit par, lors de la généralisation, notamment de management participatif, lorsque le manager, par son questionnement des salariés, va se croire autorisé à les questionner effectivement aussi sur la dimension non seulement relationnelle, mais sur leur intériorité, leurs émotions, sur ce qu'ils croient profondément. Et donc, le questionnement va être non seulement soutenu, mais il va être intrusif. Et cette intrusion dans la sphère de l'intime, c'est en tout cas l'une des caractéristiques de ce que l'on peut appeler aujourd'hui les nouveaux modes de management. Et il y a tout ce qu'il y a de très bon, évidemment, en eux, mais on le voit bien que c'est également porteur de risques. Alors, pour en revenir au sujet que vous me proposiez là, Daniel, effectivement, c'est moi un risque que je vois dans l'apicratie, dans ce que vous avez appelé l'apicratie, c'est l'obligation à être toujours positif aujourd'hui dans les organisations. Et on parle de plus en plus de positivité toxique. Parce que naturellement, c'est toxique, le fait de devoir n'être que positif, c'est toxique dans le sens où ça vous coupe de toute une partie de la réalité. Ça vous coupe notamment de la dimension éminemment féconde, éminemment positive de la critique. Comme s'il n'y avait de positif que ce qui est tenu pour positif, comme s'il n'y avait de positif que ce qui est socialement tenu pour positif, alors même que la critique elle-même est éminemment positive. Et alors, on peut chacun en faire l'expérience hein, dans des situations de travail. De plus en plus, on voit des environnements de travail dans lesquels on va dire aux personnes que finalement, il n'y a pas de problème. Et que s'ils voient des problèmes, c'est que c'est eux le problème à terme. Seul doit rester finalement ce qui est positif. Et donc, aux États-Unis, on parle de plus en plus de « toxic positivity » pour désigner ce qu'il y a d'oppressant dans le fait de devoir sans cesse tout positiver, en s'interdisant du coup de nommer les réalités déplaisantes. Et moi, ce qui me chagrine profondément, en tant que philosophe en culotte courte, c'est cette impasse totale qui est faite sur la fécondité de la contradiction. La fécondité de la contradiction est pour un chief happiness officer, s'il exerçait son rôle de manière, on va dire, un petit peu complexe et de manière un petit peu lucide et éclairée, eh bien, il comprendrait d'une part que le bonheur n'est pas un objectif que une entreprise peut se fixer pour ses salariés, mais d'autre part que, quand bien même il se fixerait cet objectif, que le bonheur ne peut pas passer sans critique, sans intégration des critiques au processus de bien-être dans l'entreprise. Alors, on va parler un peu de ludification du travail avec toi, Nicolas. Certaines mesures mises en place peuvent partir d'une bonne intention, selon toi, mais ne traitent pas les problèmes en profondeur. En effet, il y a deux exemples que j'aimerais partager avec vous qui vont pour illustrer un peu cette situation-là. Il y en a un qui est lié à ma pratique hein, en tant que consultant. Donc, je repasse les choses dans son contexte. Je suis en train d'intervenir chez un client. J'interviens chez lui, donc la situation elle est dégradée, donc c'est une dégradation plus
à tel point qu'il y a deux clans dans l'équipe, avec vraiment des relations qui sont néfastes et avec souvent qu'on appelle ça le bouc émissaire qui est aussi associé. Donc lorsque cette situation est apparue, je rencontre la direction qui elle me dit que voilà, elle a conscience qu'il y a un conflit entre les deux personnes, mais elle ne comprend pas réellement la situation. Et ce qu'elle ne comprend pas en plus, c'est le fait que dernièrement, ils ont fait une journée détente avec l'équipe et le lieu était super, tout s'est bien passé. Et pourtant, lorsqu'on en est revenu, rien n'a changé. En fait. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, il est plutôt tiré de l'actualité, hein, et un exemple sûrement, j'imagine, dont vous avez entendu parler, c'est Amazon et les cabines Amazon qui ont pu être proposées et qui ont fait vraiment un flop assez retentissant. Donc, pour replacer les cabines Amazon, en fait, c'est le fait d'avoir des cabines qui sont, outre le fait d'être petites en étant comme des cabines téléphoniques, c'est le fait d'avoir sur l'espace de travail le fait de pouvoir avoir un instant où on peut se recentrer, où on peut avoir une activité de zen pour redescendre un peu par rapport au rythme effréné qui est demandé par la production. Donc, si on prend ces deux exemples-là et qu'on fait une analyse de la situation, c'est intéressant de voir qu'il y a une conscience du problème parce que les situations, dans le premier cas, les situations sont dégradées et dans le deuxième cas, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont en rouge. Cependant, là où ça pose problème et là où on tombe dans une sorte de ludification du travail, c'est que les actions qui sont mises en place sont à mon sens, mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'éviter réellement le fond du problème et de mettre une espèce de couche de vernis pour ne pas se confronter à la réalité qui est celle du travail. Et là, c'est important de rappeler que lorsque l'on parle de qualité du travail, le travail, c'est le cœur de ces actions-là. Donc, on ne peut résoudre un certain nombre de problématiques avec des actions qui apparaissent comme étant superficielles. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Mais à mon sens, vraiment pour terminer, je trouve qu'il y a deux choses qui sont importantes de distinguer. C'est les actions qu'on pourrait dire organisationnelles, qui vont agir sur le travail, et dans un second temps, les actions qui sont complémentaires, qui vont le renforcer. Typiquement, team building, si on fait une action de team building sur une équipe qui fonctionne, certes, les effets seront augmentés de cette action complémentaire-là. Si on le fait sur une équipe où il y a un problème, il n'y aura pas les effets escomptés. Et donc, au nom de la ludification, je trouve que souvent, on zappe l'organisationnel pour se concentrer sur le complémentaire. Merci Nicolas, et je vous rappelle que vous pouvez dès à présent retrouver le premier épisode de notre podcast qui traite de ce sujet sur notre blog, mais aussi sur les grandes plateformes de podcast. Finalement, l'apicratie et la ludification du travail peuvent entrer dans un ensemble de fausses mesures QVT qu'on a appelées « bullshit QVT ». Donc, c'est notre quatrième et dernière thématique du jour. La bullshit QVT, c'est pratique qui décrédibilise l'action en faveur de la QVT. Donc, Joseph, quelles sont ces pratiques justement qui décrédibilisent l'action en faveur de la QVT que l'on appelle bullshit QVT et surtout comment faire en sorte de regagner cette crédibilité? Bien sûr. On peut répondre à la question en prenant la remarque d'un des participants, Jean Alla, qui nous pose une question aussi via le chat et qui dit dans quelle mesure votre analyse n'est pas une production du système dénoncé. Dans quelle mesure est-ce que nous-mêmes, on ne contribue pas à faire de la bullshit QVT en tant que praticien de la QVT? La question se pose. Alors, Nicolas, il dénonçait ce qu'on peut appeler les mesures de confort, qui ne sont pas mauvaises. Hein. C'est super d'avoir des mesures de confort, mais ce n'est pas le travail. Et ce n'est pas la qualité de vie au travail. Ce qu'on peut qualifier de bullshit QVT ne s'arrête pas à ça. Il y a plusieurs choses dont il faut prendre conscience et auxquelles on contribue tous et dont on peut tous être responsable au premier chef, nous-mêmes, intervenant sur la qualité de vie au travail. Alors déjà, il y a un mal français, c'est ce que j'appellerais le paradigme de l'évaluation sans fin. En France, pour mettre en évidence les discriminations, les risques psychosociaux, les questions d'égalité des genres, et j'en passe, hein, on peut prendre toutes les thématiques associées à la QVT, on fait des études. Si je prends l'exemple des discriminations à l'embauche,
Depuis le gouvernement Chirac, chaque gouvernement propose un plan d'action pour réduire les discriminations à l'embauche. Et du coup, chaque gouvernement, dans le cadre de son plan d'action, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, un testing CV. Eh bien, on remet à chaque fois en évidence les phénomènes. On démontre d'ailleurs au passage qu'ils s'aggravent, mais on reste dans l'évaluation. On le fait parfois pour la QVT, à force de baromètres successifs. Donc, on évalue, on passe notre temps à évaluer des phénomènes sans agir. Alors qu'aujourd'hui, les leviers d'action sont connus. Il y a une littérature scientifique et empirique abondante sur les thématiques en lien avec la QVT, l'égalité des genres, la discrimination, les conditions de travail. Cependant, l'action reste très souvent centrée sur l'évaluation, premièrement. Il y a aussi, c'est dommage, en France, un gros delta, un mur presque entre les praticiens et le monde de la recherche fondamentale. Il y a une recherche fondamentale qui est très riche en psychologie du travail, en sciences du management, en économie, sur les leviers de la qualité de vie au travail. Or, nos méthodes restent souvent peu nourries par cette recherche fondamentale. On utilise parfois des outils qui sont empiriques, dont on n'a pas, on va dire, de réel retour sur l'efficience, sur l'utilité. Et ça, c'est un gros levier d'amélioration. Et enfin, il y a ce qu'on dénonce tout au long de ce webinaire, mais dont on est tous responsables parfois, sont les démarches qu'on peut qualifier de cosmétiques. On est dans des environnements de travail où il faudrait questionner parfois les modèles économiques, la structure du pouvoir, la culture managériale, et où la démarche qualité de vie au travail, ou le baromètre, ou appelons-le comme on veut, vient un peu comme un pansement pour dire qu'on a fait quelque chose, alors qu'on sait très bien, justement, que ces démarches ne produiront rien à partir du moment où on n'a pas les marges de manœuvre suffisantes. Donc finalement, bullshit QVT, si on devait résumer, c'est toute action présentée comme étant favorable à la QVT sans s'en donner les moyens. Et malheureusement, force est de constater qu'il y en a pas mal. Je voudrais rappeler une petite étude là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps à l'initiative de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail sur les troubles musculo-squelettiques, qui sont la première cause de maladies professionnelles en France et en Europe. Cette étude, elle évalue justement les politiques publiques en matière de prévention des TMS, et la France est montrée du doigt, parce que la France dépense beaucoup d'argent en démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques. Par contre, se dote pas d'un cadre légal incitatif ou coercitif. Et ça, c'est vraiment à l'image de l'approche QVT française. On fait beaucoup de choses, on met en place beaucoup de choses. Par contre, on accepte encore assez peu de questionner la structure de nos organisations en profondeur. Donc, ce n'est pas forcément une question de moyens, mais de volonté à tous les niveaux. Et là-dessus, on est tous un peu acteurs, que ce soit les employeurs, les représentants du personnel, les praticiens, les salariés, les managers. Donc, c'est intéressant de débattre ces marges de manœuvre avant de choisir une démarche QVT. Donc, pour vous, Thibaut Brière, dans de nombreuses entreprises, cette fausse QVT n'est finalement qu'une vitrine qui cache une réalité tout autre. Et dans bien des cas, ce que vous appelez le storytelling ou la social washing l'emporte. Bien souvent, en effet. Je me garde naturellement de toute généralisation, mais force est de constater que c'est souvent le cas. Que très souvent, on met le mot là où la réalité manque, de sorte que la vitrine ne correspond pas à l'arrière-boutique. Très souvent, plus on en parle d'un sujet, d'une notion à la mode, plus on en parle, moins on en fait. Les mots-valises actuels qui permettent du coup de couvrir la réalité managériale souvent moins favorable que l'image affichée, eh bien, ces mots-valises, on les connaît tous, c'est bienveillance, confiance, autonomie, transparence, intelligence collective, diversité. Et plus une entreprise va l'afficher, va attester la main sur le cœur, la larme à l'œil, combien elle est attachée à la notion, par exemple, de confiance, et bien, dans la réalité, quand on regarde, justement, lorsqu'on descend un peu à un degré de granularité plus fin, on s'aperçoit que c'est très peu fait, finalement, très peu mis en place, cette confiance. Pareil pour la transparence. Une entreprise va d'autant plus souvent parler de transparence que, dans la réalité, elle est moins transparente sur
un certain nombre de pratiques. C'est-à-dire qu'elle va dire, bah, regardez ce que je mets en transparence de manière à ce que vous ne regardiez pas ce que je ne vous demande pas de regarder et ce que je ne mets pas en transparence. C'est-à-dire que très souvent, notamment derrière la transparence, je vais mettre en transparence ceux sur lesquels je veux avoir du contrôle, du pouvoir, justement, j'ai besoin qu'il me soit transparent, de manière à moi-même, moi dirigeant notamment, ne pas être transparent. Et donc, il faut se garder de toute naïveté à cet égard. On met généralement le mot là où la réalité manque. Et par ailleurs, on se fie trop aux données fournies par l'entreprise, aux déclaratifs sur le taux de turnover, sur un certain nombre de choses. On dit, ben oui, telle entreprise déclare avoir tel taux de turnover ou tel taux de, ben, je ne sais pas moi, tel taux lié à la souffrance au travail, de maladies psychiques, d'arrêt de travail, etc. Là également, il faut naturellement qu'il y ait des organismes indépendants qui puissent venir attester de la fiabilité des informations données par l'entreprise. Car très clairement, on ne peut pas se fier à l'entreprise qui est à la fois juge et partie. Et les écarts, aujourd'hui, tant mieux dans une certaine mesure, commencent à se faire jour de manière flagrante. Très longtemps, par exemple, il y a eu le mythe du start-upper, de la start-up dans laquelle justement tout est cool et dans laquelle tout va bien parce que justement les gens sont portés par un sens collectif. Et en début d'année, on a vu le mouvement sur les réseaux sociaux, balance ta start-up, balance ton agency, etc., qui ont mis en valeur les écarts croissants. De même, dans le domaine des entreprises libérées pendant plusieurs années, depuis à peu près 2012 en France, on a vu que tout cela, c'était des mondes, semblait-il, dans lesquels tout allait bien, dans lesquels le management participatif semblait donner sa pleine mesure. Et puis, nous avons un certain nombre de cas depuis de retours d'expérience d'anciens salariés ou d'analystes, de chercheurs qui sont allés investiguer de plus près ou même de journalistes d'investigation qui mettent à jour le fait que la réalité est moins reluisante. Tout cela pour dire qu'il faut naturellement toujours conserver son esprit critique et surtout sur des matières, sur des sujets plus exactement, dans lesquels les personnes sont à la fois jugées parties. Là, en l'occurrence, les entreprises ont naturellement intérêt à embellir leur image et on a besoin de chercheurs, on a besoin de journalistes d'investigation, on a besoin de témoignages extérieurs, on a besoin d'organismes indépendants permettant d'aller gratter au-delà de l'image officielle. Alors, pour rejoindre cette idée de vitrine QVT trompeuse, Nicolas, tu voulais nous parler du côté marketing de cette bullshit QVT que tu as un peu effleuré sur la dernière thématique, avec notamment dans beaucoup de cas la mise en place de mesures de confort qui sont présentées comme de la QVT. En effet, c'est important de replacer aussi les choses à nouveau dans leur contexte. Hein. Le sentiment, c'est que pendant un certain temps, il a fallu essayer de convaincre que la qualité du travail avait un impact ou sinon un intérêt financier. Et donc, aujourd'hui, on est sur un marché qui est porteur. En fait, ça s'illustre par le fait qu'il y a différents acteurs qui essayent d'avoir des parts sur ce marché-là. On peut citer l'exemple de Mutuel, par exemple, qui rachète des cabinets de conseil pour essayer d'avoir des parts dans ce marché-là, jusqu'aux startups qui développent des applications concernant la qualité du travail et en essayant de proposer des solutions qui, là aussi, je rejoins Joseph, sont pas forcément, qui parfois ne s'assoient pas forcément sur un contexte ou sur une matière scientifique, alors que celle-ci serait disponible. Pour comprendre tout cela, il faut se rendre compte qu'il y a une confusion entre qualité du travail et mesures de confort, comme l'a dit Joseph. Pourquoi il y a cette confusion? C'est notamment sous l'impulsion d'un certain nombre de grands groupes américains qui ont développé des activités dans le cadre des wellness programs. Qu'est-ce que c'est les wellness programs? C'est en fait un certain nombre d'efforts qui sont mis en place pour améliorer la conscience, développer des comportements ou encore un environnement qui va prendre en compte les bonnes pratiques en termes de santé. Ces wellness programs, ils sont encadrés par une loi qui s'appelle le Affordable Care Act, qui date de 2016. Et il faut savoir qu'il y a un certain nombre de débats sur l'impact de ces programmes-là.
notamment une étude qui a été réalisée la même année, donc 2016, et qui montre que seulement 24% des salariés participeraient à ces activités-là. Donc, il y a cette réalité qui est outre-Atlantique. De notre côté de l'Atlantique, en fait, souvent, on ne retient uniquement de ces groupes-là les actions qui sont mises en place. Donc, on retient quoi? Une piscine, du ping-pong. Et donc, aujourd'hui, en France notamment, on peut observer un certain nombre de vidéos, d'articles, d'entreprises qui vont développer des actions qualité de vie au travail. Encore une fois, ce n'est pas de la qualité de vie au travail, mais c'est des mesures de confort où ben, on va avoir quoi? Le concours du pull de Noël, on va avoir le baby-foot, on va avoir le traditionnel massage ou encore des jeux vidéo. Donc, le risque, vraiment, c'est de basculer dans une bullshit QVT qui va prendre le pas sur des réelles actions qui vont agir sur la santé psychologique des travailleurs. Donc, c'est important vraiment de distinguer ces deux niveaux-là et à nouveau parler de mesures de confort lorsqu'il s'agit plutôt d'actions qui vont être sur le bien-être au travail. Et donc, je pense que pour finir, c'est important de rappeler peut-être la définition de la QVT, même si elle arrive un peu tard, mais c'est bien de parler de caractéristiques de l'organisation, caractéristiques du travail qui vont participer, maintenir ou altérer la santé ou la performance des organisations. Donc voilà, je m'arrêterai là-dessus, mais c'est important pour moi de replacer les choses à nouveau dans leur contexte. Merci Nicolas. Eh bien, nous allons passer maintenant aux questions-réponses, si vous voulez bien, messieurs. Donc, je vous invite à regarder dans la section questions-réponses. Vous avez déjà répondu à pas mal de questions. Oui. On a une question de Jean-Michel, peut-être pour toi, Joseph. Ne pensez-vous pas qu'il n'y a pas, comme le soutien à l'ANACT dans la ligne d'Yves Clos, de qualité de vie au travail sans qualité du travail? Oui, après, je reviendrai aussi sur les hotlines psy, mais c'est intéressant la question de l'emploi de qualité. On parle de bullshit QVT, on peut parler de bullshit job aussi. Et c'est vrai que la tendance depuis les années 90, c'est la désindustrialisation, c'est le remplacement d'un certain nombre d'emplois industriels par des emplois de moindre qualité. Quand on parle d'un emploi de qualité, justement, on parle de ces fondamentaux qui font qu'on évolue dans un environnement qui n'est pas précaire, où on gagne dignement sa vie, où sa santé, sa sécurité sont préservées. On est dans un contexte suffisamment respectueux des sphères de vie avec des horaires, ou en tout cas une articulation des sphères de vie qui est acceptable. Et force est de constater que les emplois qui apparaissent sont parfois de moindre qualité et donc attentatoires à la qualité de vie au travail. Donc, en effet, il y a une corrélation directe entre la qualité du travail, donc sa capacité à nous préserver, à préserver notre intégrité, notre dignité, et la qualité de vie au travail. C'est vrai que dans certains secteurs d'activité, en tout cas tels qu'ils sont pensés, tels qu'existe leur modèle économique, la qualité de vie au travail n'a pas beaucoup de sens. Après, je reviens rapidement aussi sur la question des hotlines, parce que c'est une mesure qui est en place dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Alors, avoir un soutien psychologique pour les salariés en situation de détresse, c'est bien, c'est indéniable, ça peut être utile. Maintenant, accepter le fait que le travail produise de la détresse et se contenter de cette réponse, qui au passage questionne les dispositifs sanitaires publics, on n'a pas forcément accès au soutien psychologique dans le dispositif de soins, c'est quelque chose qui peut poser question. Et malheureusement, là aussi, on est sur une mesure curative qui a son utilité. C'est quelque chose qui est très souvent confondu comme une mesure préventive à part entière et dont se contentent beaucoup d'employeurs. Donc, globalement, les mesures de soutien pour les salariés en situation de fragilité, c'est utile. C'est bien de rappeler, par exemple, qu'il y a 14% des Français qui travaillent avec une restriction d'aptitude, un problème de santé chronique durable. Donc, on ne peut pas faire comme si tous les gens étaient en bonne santé tout le temps. C'est intéressant d'avoir des mesures de soutien et de ne pas penser l'organisation comme si tout le monde allait être toujours en bonne santé. Ça, c'est de l'eugénisme, ce n'est pas possible. Par contre, se contenter de ça et accepter la production de détresse par le travail comme un état de fait, ça, effectivement, on ne doit pas l'accepter. On a une question de Patricia qui nous demande, plutôt que QVT, ne devrait-on pas plus simplement parler de responsabilité sociétale de l'entreprise? Donc,
Nicolas ou Thibaut Brière, je ne sais pas qui veut répondre. Nicolas, sans doute. En effet. Mais justement, cette question-là, elle est intéressante. À mon sens, c'est quand même deux niveaux différents, en fait, sur responsabilité sociétale de l'entreprise. J'ai l'impression qu'on aborde, en tout cas, la manière dont c'est entendu actuellement, on aborde un certain nombre d'autres sujets qui sont parfois peut-être qui ne vont pas être sur ce que disait tout à l'heure Joseph, sur des mesures qui seront plus dans le cadre primaire ou secondaire. Je veux dire que c'est des actions qui vont aboutir à quelque chose d'important pour la structure. Donc, à mon sens, pour moi, c'est vraiment deux niveaux différents et on ne peut pas forcément les associer ensemble. Je ne sais pas, par exemple, Joseph, ce que tu en penses, mais oui. À mon sens, c'est quand même deux niveaux différents. Après, sur le plan sémantique, on parle de RSE quand on parle d'engagements sociétaux et environnementaux de l'entreprise. Donc, ça va au-delà de ses salariés. C'est aussi son impact sur ses usagers, ses clients, son environnement, son impact écologique au sens large. Donc, la QVT peut être considérée comme un volet de la RSE. Après, au-delà de ces catégorisations, moi, très honnêtement, je ne tiens pas spécialement au terme QVT. Hein. On a choisi la thématique de la dignité au travail, parce que c'est une question un petit peu datée et qui est en lien finalement avec les droits de l'homme et les droits de l'homme au travail. Je pars du principe qu'il y a certains fondamentaux à respecter, que ces fondamentaux sont peut-être en danger aujourd'hui, comme ils l'ont été. Le fait de rester en bonne santé, le fait de gagner dignement sa vie, le fait d'être libre de ses opinions et de ses émotions. À partir du moment où le travail garantit ça, on peut lui donner l'appellation qu'on veut, hein, qualité de vie au travail, santé au travail, RSE, ça me convient. Toujours est-il que c'est intéressant de questionner cet écart entre les appellations. La plupart des entreprises ont aujourd'hui une politique RSE, en tout cas des grandes entreprises, et ce qui se passe réellement. Et juste pour revenir sur ce que disait Thibaut aussi, je conseille un rapport de la Commission européenne qui a été publié cette année sur ces engagements RSE des entreprises européennes, qui démontrent qu'elles ont toute une politique RSE et qui démontrent aussi que dans un cas sur deux, leurs allégations sont mensongères ou invérifiables. Donc là aussi, on peut mesurer un écart entre ce discours qui montre qu'on a saisi l'importance de cet engagement et entre cette capacité à l'intégrer véritablement dans son mode de fonctionnement. Donc, je crois que ce qu'on peut garder de ça, c'est que à un moment donné, on est dans une société de l'information et que la communication, aussi habile soit-elle, ne peut pas se substituer aux actes. Oui, si je peux me permettre un élément de réponse, du coup, sur la piste de laquelle tu m'as mis Joseph, pour répondre également à la question là, de Patricia Santerre, moi, j'entendrais volontiers ici la QVT, effectivement, plutôt que par responsabilité sociétale, j'entendrais volontiers la responsabilité sociale là, de l'entreprise. Parce que je crois que la première responsabilité sociale de l'entreprise, c'est précisément de préserver la dignité de ses salariés, de ceux qu'elle emploie. C'est sa première responsabilité. Et la QVT, me semble-t-il, elle-même, son premier objet doit être d'abord de s'assurer, d'assurer cette condition élémentaire qui est donc le respect de la dignité. Il n'est peut-être pas tout à fait inutile de se rappeler quand même que cette notion de dignité humaine, elle est d'origine grecque autant que biblique. Elle nous vient, elle a ensuite passé par le Moyen-Âge. Et dès la Renaissance, on a vu se multiplier des traités sur la dignité de l'homme. Mais il y avait autant de traités, et ça c'est intéressant, autant de traités sur l'indignité humaine, c'est-à-dire des traités sur la misère de la condition humaine à la Renaissance. Et ce que recèle cette notion de dignité, c'est qu'il y a en l'homme quelque chose qui est inaccessible à ce que l'on puisse lui faire, par exemple à ce qu'une entreprise puisse faire à un individu, et à ce que l'individu puisse faire de lui-même. C'est-à-dire que dès l'origine grecque, pour Platon, Platon prend l'image de la plante. Il dit que l'homme est une plante qui plonge ses racines dans le ciel, et dans une certaine mesure, sa valeur, il l'attire non pas de quelque chose qu'il pourrait faire à lui-même ou qui pourrait lui être fait par son environnement, il l'attire de quelque chose qui vient d'une transcendance, de quelque chose qui est au-delà d'une certaine idée de l'homme, d'une certaine idée
de la justice et du droit. Pour le christianisme, c'est pareil, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, il y a en lui quelque chose de transcendant. Et c'est cette notion de transcendance qu'exprime la notion de dignité, quelque chose qui est inaltérable, inaliénable, et si dégradé qu'un humain puisse être, à ses propres yeux ou aux yeux des autres, eh bien, il conserve malgré tout, une dignité. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette dignité? C'est-à-dire que au-delà de ce que la vie aura pu faire de lui, il demeure toujours un potentiel. Il est toujours capable de s'améliorer, de se reprendre, de se corriger. Et donc, il ne se réduit pas à ce qu'il a fait ou à ce qu'il montre de lui-même. Et donc, dans les entreprises, la dignité se trouve préservée lorsque, d'une part, l'homme ne se trouve pas réduit à un instrument, à n'être qu'un exécutant, comme dans les organisations mécanistes dites tayloristes, de manière un petit peu caricaturale. Donc, lorsqu'il ne se trouve pas réduit à un instrument, mais lorsqu'il ne se retrouve pas non plus réduit à n'être que la cellule d'un organisme. Parce que pour rejeter les organisations traditionnelles qui, eux, bafoueraient la dignité au travail, qui seraient mécanistes, on prétend aujourd'hui leur substituer des organisations qui seraient organiques, en prenant l'image du biomimétisme. Et tous les individus, comme dans un banc de poissons, comme dans une murmuration d'étourneaux, devraient partager un même ADN culturel, idéologique que les autres, partager les mêmes croyances, je le disais tout à l'heure, être alignés sur une même vision. Eh bien, ces deux visions, finalement, l'une qui croit être une réponse à l'autre, elles sont également attentatoires, me semble-t-il, à la dignité humaine. Et je souhaitais le dire dans le cadre de ce webinaire consacré précisément à la dignité au travail. Alors, on a une question de Roger qui nous demande : ne peut-on considérer que le lien de subordination engendre directement la position de chef et de soumis, ce qui est difficilement compatible avec les droits de l'homme et la dignité ? Oui, c'est intéressant. Je te laisserai la parole ensuite. Thibault, j'ai juste un petit mot à dire là-dessus, mais il faut faire la différence entre une soumission et un lien hiérarchique qui est consenti et équilibré. J'ai un contrat de travail, je rentre dans une structure du pouvoir dans laquelle j'ai une rétribution, dans laquelle j'ai des contre-pouvoirs et qui n'est pas attentatoire à ma dignité. Ça, c'est tout à fait compatible avec un fonctionnement, je dirais, respectueux de la dignité humaine et même démocratique. À l'échelle de l'État, dans un système démocratique, il existe une hiérarchie, il existe des instances exécutives, judiciaires, sécuritaires, auxquelles on se soumet dans le cadre de l'intérêt commun. Ça n'est pas forcément, lorsque les contre-pouvoirs sont bien pensés, attentatoire à la démocratie. Après, lorsque ce pouvoir il devient discrétionnaire ou dogmatique, Thibault parlait de la Renaissance c'est aussi l'apparition du libre arbitre par rapport au tout religieux, et on pourrait mettre ça en perspective avec le dogme dans l'entreprise où on impose des façons de penser. À partir du moment où la soumission à l'autorité est attentatoire à la dignité humaine, on parle récemment des violences sexistes et on démontre qu'elles sont très corrélées à la structure du pouvoir dans certaines entreprises. On voit que les questions de santé au travail sont très corrélées à la précarité. Là, pour le coup, la notion de soumission à l'autorité peut être attentatoire à la dignité humaine. Mais la hiérarchie, en tant que telle, n'est pas forcément quelque chose d'antidémocratique. Inversement, on a des structures qui se présentent comme flexibles, sans hiérarchie, et qui pour autant sont productrices aussi de précarité, de problématiques de santé au travail. Donc finalement, ce n'est pas tant la question de la soumission à une autorité qui, selon moi, conditionne la dignité, c'est surtout la structure globale du cadre institutionnel dans laquelle on s'inscrit. Est-ce que cette soumission est consentie? Et est-ce que lorsque j'y consens, ma dignité est protégée? Oui. Le simple élément que je peux apporter en contrepoint, même pas en contrepoint, en développement de ce brillant exposé de Joseph, c'est qu'il faut bien distinguer la subordination de la soumission. La subordination juridique n'implique aucune soumission. Ce n'est pas parce que la plupart du temps, effectivement, des salariés qui se trouvent être juridiquement subordonnés se croient obligés
derrière, en plus d'en rajouter, si je puis dire, et de se vivre au travail comme s'ils étaient soumis, comme s'ils étaient de simples instruments, comme s'ils prenaient au premier degré, par exemple, une organisation mécaniste ou même une organisation organique, se voulant organique, ils ne sont évidemment ni un rouage, ni une cellule. Et ils le savent très bien. Donc, il y a là un jeu de dupes et à faire à croire et à se faire croire d'abord à soi-même que parce que l'on serait subordonné, ça induirait une soumission. Mais non, je demeure libre intérieurement et je peux penser ce que je veux par-devers moi-même, quand bien même, extérieurement, je peux, pour des raisons tout à fait rationnelles, choisir de mettre mon opinion en second plan, en veilleuse, etc. Et pour des raisons simplement peut-être d'organisation du travail, parce que tout le monde ne peut pas partir en vacances au même moment, j'aurais préféré partir à telle période, eh bien je vais librement choisir de subordonner ma volonté, soit à celle du collectif, soit à celle de mon chef, soit à celle de mon collègue, etc. etc. Et donc, voilà, il est important de bien noter que la subordination n'induit pas soumission et que même des consultants extérieurs qui officiellement sont indépendants d'une entreprise, officiellement, il n'y a pas de rapport de subordination éventuellement directement. Eh bien, ils peuvent se vivre comme étant soumis à l'entreprise parce qu'ils veulent avoir de nouveaux contrats avec elle. Donc, ce n'est pas parce que je me trouve dans une situation de salarié que ça induit une soumission. Je peux ne pas être dans une situation salariée et néanmoins me vivre comme étant soumis. Et donc, voilà, la subordination, elle n'est que juridique. La soumission, elle est d'ordre psychique, intellectuel, spirituel et éventuellement. En tout cas, de l'ordre de l'intériorité. Alors, Adeline vous demande si ces informations sur la dignité au travail ne doivent pas être une partie intégrante du code du travail. Alors, en théorie, notre code du travail, il en intègre pas mal. La question, c'est est-ce que le code du travail est appliqué partout et quelle est la réponse publique face à des situations structurellement attentatoires à la dignité et au code du travail. Exemple, on parlait des aides-soignants en EHPAD. Le code du travail stipule que l'employeur a une obligation de moyens et de résultats, que le travail n'est pas censé dégrader la santé et que l'employeur en est responsable. Quand l'ensemble des aides-soignants finissent leur carrière avec un problème de santé chronique, 100%, problématique de santé chronique en fin de carrière, en EHPAD, on ne respecte clairement pas cette disposition. On peut la mettre en perspective avec le fait que l'État est le premier financeur aussi des EHPAD. Qu'en pensez ? Aujourd'hui, les écarts avec notre droit, qui est un des droits les plus ambitieux au monde en matière de protection de la santé, de la sécurité, de l'intégrité au travail, mais les écarts entre les faits et notre droit sont de plus en plus importants. Donc, je pense qu'on n'est pas tant sur une nécessité de légiférer que de revenir aux fondamentaux du droit et peut-être de le permettre en se donnant plus de marge de manœuvre au niveau du dialogue social qui aujourd'hui est dégradé ou en tout cas devient de plus en plus un lieu de confrontation. Voilà en tout cas ce que je pourrais dire sur ce point. Alors, il y avait une question un peu plus tôt qui me semblait intéressante de Roger. Je pense que c'était sur l'apicratie. Il demandait, ne pensez-vous pas que ces nouveaux modes de management ont glissé dans la sphère politique où le fait de critiquer conduit à une catégorisation complotiste ? Le complotisme, il est partout. Après, c'est plutôt en tout cas, ce qu'on constate, c'est que le complotisme est corrélé au niveau de totalitarisme dans une organisation, un système. Moins on a d'espace pensé structuré où on peut s'exprimer, confronter les idées librement, plus les idées alternatives émergent. Donc finalement, le droit à la critique, c'est plutôt un droit fondamental qui va éviter la production de fausses informations, même si c'est quelque chose qui est inévitable. Après, comme le soulignait Thibault, le droit à la critique dans l'environnement de travail, il y a des degrés de liberté qui sont limités du fait d'une structure sociale autour d'un contrat qui a certaines règles.
Mais à partir du moment où on tombe dans un système dogmatique où l'expression est pas possible, on va forcément voir apparaître une information alternative. Il faut rappeler, avant de parler de fake news, hein, les mécanismes psychosociaux de la rumeur, il y a une très belle définition de la rumeur en psychologie sociale qui est très simple. La rumeur, c'est une information qu'on crée lorsqu'elle n'existe pas. Quand la transmission de l'information saute un échelon, l'être humain a, on va dire instinctivement, tendance à produire une information qui va remplacer l'information absente. Donc les fake news naissent aussi du fait d'une incapacité à s'exprimer ou à partager les informations. À quoi ? Alors, non, à quoi on peut simplement ajouter, effectivement, Joseph, hein, pour répondre à ce commentaire, que effectivement, on peut voir, en tout cas, dans la sphère publique, enfin, être étendu à la sphère publique, des dérives que l'on observe déjà dans les entreprises, à savoir la substitution de simples discussions entre gens polis dans l'entre-soi à de véritables débats. Et les discussions en entreprise, hein, qui peuvent parfois être justement pipées, qui peuvent être dans lesquelles il peut y avoir une forme de scénarisation, ils peuvent être préparés déjà à quelques-uns en amont des réunions en entreprise. Donc officiellement, la réunion se déroule pour trouver une solution, elle est censée être parfaitement ouverte. Et en fait, des coulisses ont eu lieu, une sélection de l'agenda, une sélection des participants, une sélection de l'ordre du jour, une manière d'animer la réunion a déjà été prévue, de telle sorte finalement d'orienter le débat dans un sens qui est déjà prédéterminé. Et ça, effectivement, on peut parfois voir, en tout cas avoir le sentiment, qu'on peut l'observer dans certains débats publics qui sont organisés. Alors Nicolas, tu voulais répondre à une question de M. Clamont qui demande comment peut-on parler de QVT alors que le fonctionnement en mode dégradé est devenu de nos jours monnaie courante dans beaucoup d'entreprises, la première étant l'hôpital public. Et oui, en effet, je trouve cette question intéressante parce que ça correspond un peu à une idée qu'on peut avoir de la qualité du travail avec l'idée que ça recouvre uniquement du positif, en fait. Alors que il y a quand même la qualité du travail englobe aussi plus globalement ce qu'on appelle les risques psychosociaux et donc qui sont une partie plus négative du fonctionnement et des impacts que peuvent avoir les organisations sur les individus. Donc déjà, c'est un premier élément de réponse et je trouvais ça important de le rappeler ici. Après, enfin, il y a forcément un certain nombre d'éléments qui sont contextuels et je pense que peut-être Joseph aussi aura peut-être certains éléments à apporter sur cette question. Donc je te laisse peut-être réagir dessus, mais Oui, c'est un environnement que je connais bien, l'hôpital. C'est ça. Alors, je vais répondre par un exemple d'une intervention récente. On lançait une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail dans un établissement hospitalier. Donc, il y avait un comité de pilotage avec des représentants de l'employeur, des syndicats, des différents corps de métier, hein, les médecins, les infirmiers, l'administration, les techniciens. Et tout de suite, des prises de parole pour dire, c'était avant la pandémie, hein, juste avant, dire, mais ça sert à quoi votre démarche ? Il n'y a strictement pas de marge de manœuvre. On sait que c'est une question de moyens et que sans moyens supplémentaires, on n'ira pas mieux. Donc, est-ce que j'ai répondu ? Certes, il y a des situations comme la charge de travail en particulier qui est conditionnée par les moyens. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on a de la marge de manœuvre, même si elles sont mineures, la clarté des rôles, la circulation de l'information, la qualité du dialogue social, etc. Ce que j'ai proposé dans cette organisation, c'est de dire, bah, écoutez, faisons cette démarche, identifions ce qui est du ressort de notre marge de manœuvre. Par contre, si on identifie des facteurs attentatoires à la qualité de vie au travail, à la santé au travail, qui ne relèvent pas de votre marge de manœuvre, mais qui dépendent des moyens, eh bien, on va leur faire remonter aux tutelles. On fera recommander à l'ARS, on fera recommander au ministère de la Santé. Et là, j'ai une réaction un peu sidérée. Quoi ? On peut faire une lettre à l'ARS, au ministère de la Santé ? Eh bien oui, on peut. On est dans une société démocratique et on n'est pas obligé d'accepter des états de fait. Et ça, c'est très intéressant de le rappeler. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la robustesse d'un système démocratique. Gaston Bachelard, un philosophe qui m'est cher et qui est justement un chantre de la liberté de penser,
qui disait que pour s'approcher le plus possible de la vérité, il faut garder son esprit fiévreux, il faut refuser l'argument d'autorité. Et c'est intéressant de faire ça. Alors, ce n'est pas dit qu'une lettre à l'ARS débloque des moyens supplémentaires. Par contre, si dans l'ensemble des démarches de qualité de vie au travail, on fonctionne avec des états de fait qu'on ne remet pas en question, effectivement, les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer. Donc, pour l'hôpital, c'est un cas de figure intéressant. Et puis, il faut rappeler que juste après, 2-3 mois après cette réunion, qu'est-ce qui se passait ? Pandémie de Covid-19, Ségur de la santé. Et bizarrement, des moyens financiers, milliards d'euros, qui étaient inexistants, se mettent à exister, parce qu'il y a un contexte d'exception qui apparaît. Ça, c'est un très bon exemple. Ça nous démontre que le discours politique ne colle pas forcément à la réalité, que le contexte peut libérer des marges de manœuvre. Donc, il faut s'autoriser à contester les états de fait, c'est assez extrêmement important. Bien sûr, à son échelle, modestement, comme on le peut, mais au moins intérieurement, ne pas prendre pour argent comptant tout argument d'autorité. Eh bien, merci monsieur. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous laisse chacun vos tours, si vous voulez, messieurs, votre mot de la fin, pour résumer en quelques mots ce que doivent retenir, selon vous, de cet échange, les personnes qui regardent ou écoutent ce webinaire, ou si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Je tente. Moi, juste pour dire un mot, que par rapport à la plupart des dérives dont nous avons pu parler dans ce webinaire, je crois que le fait de stimuler l'esprit critique d'une manière générale dans les organisations reste un garde-fou, un antidote précieux. Un antidote précieux, et je vois, et je ne laisse pas de m'étonner, le fait que dans la quasi-totalité des formations proposées en entreprise, il n'y a quasiment rien explicitement dédié au fait de renforcer l'esprit critique. Les sciences humaines ont très peu de place, la contradiction, la critique ont très peu de place, et donc on ne peut pas s'étonner des conséquences que l'on observe de manière récurrente tant que l'entreprise ne fait pas davantage droit à la fécondité de la critique et ne stimule pas davantage les capacités critiques de leur salaire. Eh bien, merci à vous, messieurs, et encore merci tout particulièrement à Thibaut Briard, je le rappelle, philosophe du travail, pour sa disponibilité et pour nous avoir fait partager ses réflexions sur le monde du travail. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce webinaire sera également disponible en replay et en format podcast sur le blog d'AD Conseil. Merci pour vos nombreuses questions et vos commentaires. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.